Salut à tous, c'est Lunaris. Aujourd'hui, je vais remplacer les ampoules qui sont dans les bas de porte de ma Mazda RX-8 par ce modèle que j'ai commandé sur AliExpress, qui a la particularité d'avoir un petit projecteur qui projette le logo de la marque au sol lorsque les portes sont ouvertes. Je vais commencer par démonter mes caches d'origine. Je garde précieusement les pièces d'origine et j'enlève l'ampoule LED qui y était. Maintenant, je dois connecter l'alimentation. L'alimentation est bonne, ça fonctionne. On voit bien que le projecteur projette le logo Mazda. Maintenant, il ne me reste plus qu'à le reclipser prudemment. Alors on va voir ce que ça donne de nuit sans éclairage. Là, le soleil se lève à peine. Et donc on voit bien que le projecteur est suffisamment puissant. On voit bien le logo Mazda. Ça fait un logo d'environ 50 cm. Alors ce serait plus net si le sol était en meilleur état. L'avantage de ce dispositif, bien sûr, c'est que c'est un dispositif à LED, donc ça a une très grande durée de vie. Ça ne consomme pratiquement pas d'énergie, du moins beaucoup moins que les lampes à incandescence qui sont installées d'origine. Autre avantage, ce dispositif, comme vous avez pu le voir, s'installe en à peine 2 minutes. Ça remplace les pièces d'origine, donc il n'y a aucune modification à faire sur la voiture. Contrairement à d'autres dispositifs qui, eux, demandent à percer des trous dans les bas de porte. Lorsqu'on regarde à l'intérieur, on peut voir le petit logo Mazda. Le logo qui est dedans n'est pas amovible, donc vous serez contraint de rester avec ce logo-là, alors que j'ai vu des dispositifs qui proposaient de changer le logo par la suite. Mais malheureusement, ces dispositifs-là nécessitaient que l'on perce des trous dans les bas de porte. Je rappelle que je l'ai acheté, ce produit, sur AliExpress. Ça m'a coûté 8€, frais de port compris. On en trouvait des encore moins chers, mais la finition avait l'air déplorable. Les plastiques avaient l'air très cassants et les câbles avaient l'air d'être installés de manière tout à fait à l'arrache. On voyait les soudures, il n'y avait pas de protection entre les pour protéger les câbles. Donc je vous conseille de mettre peut-être 1 ou 2€ de plus et de prendre un modèle bien mieux fini comme celui-ci. Si vous êtes intéressé par un projecteur, sachez qu'il y a de nombreuses références disponibles sur AliExpress. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Pensez au pouce bleu si vous avez apprécié la vidéo, partagez-la sur les réseaux sociaux et j'espère vous retrouver très bientôt pour un nouveau test. À bientôt !